Shalom, shalom, frères et sœurs. Bienvenue dans la prière d'accompagnement qui marche avec toi tout au long de la semaine et qui pose les bases dans ta semaine. Ce matin, tu vas prier avec moi et tu vas mettre les fondements afin que cette semaine soit différente, afin que cette semaine soit bénie, afin que cette semaine soit rempli de succès, de bénédiction, et que cette semaine, le Seigneur marche lui-même avec toi et qu'il soit ton protecteur, le protecteur de ta famille, le protecteur de tes biens. Tu vas prier avec moi, tu vas t'approprier cette prière, tu vas avoir la foi sur les paroles que tu vas prononcer au nom puissant de Jésus. Nous prions. Père, je te rends grâce du fait que tu es merveilleux. Je te loue et mon âme te bénit, car tu es celui qui ne ment pas et celui qui ne change pas. Me voici devant toi, au-devant de ton trône de gloire, pour te dire que tu es trois fois saint et que personne n'est comme toi. Que personne n'est comparable à toi. Ce que toi tu accomplis dans ma vie, ce n'est pas un homme qui peut l'accomplir. Ce matin, je viens t'adorer et te louer, car tu es digne de recevoir tous les honneurs, toutes les acclamations, toutes les adorations qui viennent de nos cœurs. En toi, il n'y a ni ombre de variation, ni ombre de changement. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir sur l'amour que tu as pour moi. Ta parole me dit, car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton fils unique, afin que je sois sauvé. Voilà pourquoi je viens t'honorer. Voilà pourquoi je viens t'élever. Ce matin, prends contrôle de ma vie. Ce matin, sois maître de ma vie. Cette semaine, sois celui qui va diriger ma vie. Que je ne sois pas maître de moi-même, mais que tu sois celui qui prendra contrôle de ma vie, de mes choix, de mes paroles au nom de Jésus. Reçois cette adoration qui monte vers toi. Je ne peux pas donner cette adoration à un homme. Parce que cette adoration n'est réservée qu'à toi et à toi seul. Tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu de ma famille, tu es celui qui soutient ma foi, tu es celui qui m'accompagne, tu es le Dieu des surprises agréables, tu es celui qui ne se répand pas de ses paroles. Voilà pourquoi ce matin, je viens t'adorer. Voilà pourquoi ce matin, je viens te louer. Voilà pourquoi ce matin, je viens t'honorer. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui est dans sa parole et celui qui accomplit sa parole. Tu mérites toute adoration au nom de Jésus. Ce matin, je viens encore au devant de toi. Pour rechercher le royaume. Ta parole déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste me sera donné. Ce matin et cette semaine, je souhaite une chose, c'est de chercher ton royaume. Ce matin, je cherche une chose, c'est de marcher dans la vérité, c'est de marcher dans la sainteté, c'est de marcher dans la crainte et dans la justice de Dieu et de ta parole. Comme ta parole me dit, puisque tu es saint, je dois être saint. Puisque tu es saint, je dois être saint. Alors ce matin, je souhaite être saint. Ce matin, je souhaite marcher dans la vérité. Je souhaite marcher dans ta volonté. Je souhaite obéir à ta parole et faire ta volonté. Non pas ma volonté, non pas mon désir, mais ta volonté au nom puissant de Jésus. Cette semaine, que je puisse marcher dans la crainte et que je puisse refléter ta parole au nom de Jésus.
que le Saint-Esprit de Dieu soit la lumière qui précédera mes pas, qui va éclairer mon sentier. Que le Saint-Esprit me pousse encore davantage à demeurer dans ta présence. Que cette semaine, je ne sois pas dans la distraction. Que cette semaine, je m'accroche à toi. Et que tu sois la bonne part de ma vie, au nom de Jésus. Que cette semaine, je puisse aller encore davantage dans la profondeur avec toi. Que je prie et que je médite, comme ta parole me le dit, prier sans cesse. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Que je le médite nuit et jour. En cette semaine, je veux méditer ta parole et demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Je viens recommander cette semaine entre tes saintes mains. Je recommande mes projets entre tes saintes mains. Je recommande ma vie entre tes saintes mains. Je recommande ma famille entre tes saintes mains. Ta parole me dit que si ce n'est pas toi qui gardes, ce qui gardera, gardera en vain. Que cette semaine, que tu sois le maître de toute ma vie, de tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Je viens barricader ma vie par ta présence. Que tu me couvres et que tu me rendes invisible. Que mes ennemis ne me voient pas. Que mes ennemis ne puissent pas avoir accès à ma vie. Précède-moi. Ouvre le chemin devant moi et ferme le chemin derrière moi. Sois ma force, sois mon Dieu, sois mon protecteur. Au nom de Jésus. Que cette journée et cette semaine sois rempli de grâce, de paix, de bénédiction, et que nous puissions demeurer dans l'allégresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, que cette prière puisse t'accompagner tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée. Que le Seigneur soit celui qui marchera avec toi et celui qui va t'accompagner. Celui qui te précédera en tout lieu et celui qui fermera la marche derrière toi. Que ta vie soit barricadée, que ta vie soit couverte, que tu demeures sous l'abri du Très-Haut et que en cette semaine tu puisses demeurer dans sa présence, que tu cherches Dieu, que tu médites la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à Dieu, que la gloire revienne à notre Seigneur et à notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je nous souhaite à tous une agréable journée. Au nom de Jésus.